ma force, famille. On ne peut le trouver, on ne peut le trouver, malgré lui et pareil à l'aigle. On fait la face de l'aigle, on lève les bras. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On danse à la gloire de l'Éternel. Comme Abraham, je veux voir les petits malins. Les petits malins, Jésus, tout est possible. Toutes les phases possibles. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Oui, sur l'onction, hein. Papa est là, l'onction est là. L'onction est là. Aïe, 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 aïe. À chanter. Alléluia. On se dispose. Oui, c'est l'onction, hein. Oui, ça dérange. Là où je suis, il y a le feu, il y a le Saint-Esprit. Ce que tu as pensé faire, c'est parce que tu fais. C'est pas évident d'être là. Oui, je peux confirmer. Alléluia. Donc on va donner ce cantique. Alléluia. C'était un cantique que nous avons emprunté à notre papa prophète. Mais tu veux dire, hein, Dieu, nous avons besoin de toi. Essuie nos larmes quand nous te supplions. Quand nous demandons, Seigneur Jésus, certaines revendications, ne nous juge pas parce que nous sommes trop pressés. Écoute-nous, Dieu Tout-Puissant, et guide-nous. Guide-nous vers la bonne décision. Amen. Si on a mis en, et comme un voisin, la si on a mis en, yeah. Si on a mis en, et comme un voisin, la si on a mis en, et de la
Alléluia. Est-ce que j'ai un frère qui veut donner un cantique encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un cantique encore? Que j'ai peut-être oublié sans faire attention? Non. Donc on va continuer le programme. Non? Alléluia. C'est pas facile, mais bon, on va y arriver. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner un témoignage ce matin? J'ai rien dit. Alléluia. Est-ce que tu me faisais signe, hein, maman Hélène? Elles ont encore quelque chose à chanter? Alléluia. Merci. On va revoir maman Emilienne. Merci. Ok. Elles vont chanter en camerounais. Alors, c'est un chant de tam-tam normalement. Thank you.
See ya.
basile, la basi ona mio, si ona mio, ah, si ona mio, kamu basile, la basi ona mio, si ona mio, si ona mio, kamu basile, la basi ona mio, jina wali, kamu basile, la basi jina wali. Chilina wali, chilina wali, chilina wali, yeah, kamu wasile, chilina wali, chilina wali, oh, kamu wasile, chilina wali, chilina wali, kamu wasile, chilina wali, siya. On acclame Jésus plus fort. On l'appelle couler par là-haut. On l'appelle couler. On l'appelle couler par là-haut. On l'appelle couler par là-haut. Il y a Jésus par la terre, par la Isée. Ah, Abraham. 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 Ah, Abraham.
Bon, je ne vais pas parler sur le père, mais Abraham a montré qu'il est patriarche. Est-ce que vous avez ça? Abraham, le père de tous ceux qui ont la foi. Dites-moi ça. Est-ce qu'on peut entendre Jésus? La famille de Sissi Sheculte, c'est la famille Abraham. Que Dieu vous bénisse. Vous aurez tout à l'heure à faire à moi, Abraham. Asseyez-vous, Abraham. Dis à quelqu'un, sois béni. Salut quelqu'un à côté, salut quelqu'un. Maman, que Dieu te bénisse. Abraham, hein? Jean-Louis, c'est quel pas qui avait sorti encore? Tous les dimanches, ce monsieur, là, je ne sais pas si il est entraîné par le ballet national, il a toujours il danse régulé, il danse bébé, il danse collier, il danse thématé, il danse. Dans ce gourmet, tout ça. Que Dieu vous bénisse, famille Abraham. Amen. Je ne peux pas encore donner le résultat. Mais je ne l'influençais pas déjà parce que j'ai commencé à être peu influencé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais on va voir. Ça, c'est dans la décoration, ce qu'on appelle le design. Bon, on va rentrer dans la parole. Amen. On va se mater tout à l'heure. Ah, amen. Parce que je ne vais pas vous faire cadeau. Je suis allé loin pour vous attaquer tout à l'heure. Je vais voir si on connaît un peu. Je peux poser la question à qui je veux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en quatre familles. Il y a la famille d'Israël. Je bénis Israël. Israël est là. Amen. Nous bénissons Israël. Tout le monde dit on bénit Israël. Amen. Bénissons Israël. Bénissons Israël. Israël soit béni. Nous bénissons Israël. Nous bénissons Israël. Est-ce qu'il y a la famille Jésus? Nous bénissons la famille Jésus. Jésus, soyez béni. Léon guerrier, un puissant guerrier Jésus. Est-ce qu'il y a Caleb? Homme de détermination. Famille Caleb. On appelle la famille Caleb et la famille Abraham à l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Nous formons tous une famille. C'est l'église Pentecôte Authentique Internationale de Paris. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une église charismatique, une église évangélique. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes une église vivante. Nous croyons la puissance de Dieu. Nous croyons au ministère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Nous croyons en Jésus. Nous croyons à Jésus qui est la tête de cette église. Amen. L'église réunit l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble de tous les croyants. Et notre stratégie, c'est que Dieu nous a mis à cœur de faire en créant la famille, c'est pour créer la motivation, pousser chaque personne à aller dans la parole. Oui, on ne voudrait pas que vous suiviez une personne, sinon ça serait une secte. Suivez une personne, vous avez raté la vision. Vous avez raté la vision. Si vous venez ici pour suivre le prophète Crasso, vous avez raté la vision. Certes, je suis prophète, mais j'ai un maître, n'est-ce pas, qui est l'Éternel, en qui nous avons cru. Et Jésus-Christ est notre Père, il est notre Sauveur. Et c'est lui, c'est vers lui que nous, je veux vous envoyer. Or, si vous ne plongez pas dans la parole de Dieu, il sera difficile pour vous d'aller plus loin. C'est que vous avez eu le miracle de Dieu au travers des guérisons, des délivrances, mais il faudrait que vous soyez enracinés dans la foi. Et ce qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. Il y a pour moi mon devoir pour moi de vous envoyer dans la parole. Non pas sur un homme que je suis. Non. Je suis mortel comme vous.
Je serai aussi jugé comme vous. C'est des dons. Ce don appartient à Dieu. Mais suivez la parole de Dieu. Voilà. Suivez la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bâtir une église assise dans la parole. Pas bâtir une église assise, n'est-ce pas, sur les miracles. Sinon, nous avons les miracles. Si c'est les miracles, il y a les miracles. Si c'est guérison, il y a les guérisons. Dieu est présent, il y a le Saint-Esprit. Mais soyez assis dans la parole. C'est ce qui est plus important. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vois les chrétiens et les fidèles assis dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Aujourd'hui, nous avons appelé la famille. La dernière fois, nous avons surpris une famille qu'on appelle Israël. Mais elle nous a impacté. Surprendre parce qu'elle ne connaissait même pas le système. Je pense que tout le temps, la famille s'inspire. Je vous respecte Israël. Parce que la Bible dit, il faut prendre au sérieux Israël. Si tu as joué Israël, mon cher, Dieu va t'attaquer demain. Donc, Israël nous a montré un peu. Et après, si on a dit Jésus, Jésus nous a épatés. On a vu Caleb le dimanche passé. Encore Abraham, patriarche. Patriarche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont choisi pour couleur la couleur verte. Vous allez nous donner l'esprit. Violette, on va vous allez nous donner l'explication. Qui est chargé de parler au nom de la famille? Il y a combien de personnes qui vont parler? Dites-moi d'abord combien de personnes tu vois que je vais interroger. Qui va expliquer la couleur? Vous expliquez la couleur, c'est ça? Ok. Et qui d'autre va parler au nom de la famille? Monsieur Balou? Ok. Nous serons obligés d'avoir des micros. C'est le micro que tu as là? Oui, parce que c'est bon là. Aujourd'hui, tu vas tout expliquer avec tes notes. Tu vas venir, hein? Vous savez, nous sommes des hommes d'esprit. Amen. Amen. Élisée cherchait à prophétiser. Il cherchait un joueur de harpe. Dès que le joueur de harpe a commencé à sonner des notes, il dit ainsi par l'Éternel. La musique, elle impacte sur l'onction. La musique, elle impacte sur l'onction. La musique elle impacte l'onction et donc elle a une bien fait et puis il y a des petits sons qui déclenchent quand l'onction, quand ça touche l'onction, quelque chose bouge. Donc il m'a trop chargé avec l'onction tout à l'heure. J'ai été trop chargé. On verra ça tout à l'heure. La famille Abraham. J'espère que vous touchez vos bibles. J'espère que les bibles ne sont pas arrangées dans les placards. Hein? Dans les bibliothèques. De passage, une question banale. Une question banale. Voilà, ça a commencé comme ça. Parce que vous m'avez montré que vous êtes trop fort. Ah, combien de vous dites que vous êtes fait? Mais les plus forts, vous dites, oh, il y a quoi de, oh. C'est la question. Ah, vous voulez la question. J'ai dit, vous m'avez montré que vous êtes trop fort. Mais c'est d'abord la couleur. Avant d'attaquer la couleur, je vais vous poser une question. Parce que nous sommes maintenant en question de Bible. À part ce monsieur qui est pasteur, je ne veux même pas qu'il me réponde à ça. Après, vous ne savez pas. Oui, il a fini déjà ses études, donc, ouais, en théologie. Voilà. Ça, je vous informe déjà. Parce que lui et moi, on a déjà parlé, déjà venu à Dibo, on avait des soucis. Et ça dit où Dieu l'a délivré de beaucoup de choses, donc il sait bien. Il avait des dettes accumulées de plus de 300 000 euros. C'est quand il a quitté Divo que tout ça a été annulé ici. Ici. Voilà, c'est un frère béninois qui a une histoire depuis Lyon, plutôt Lyon et tout ça. Il s'est rendu à Divo. Donc on priait pour l'on a mis dans un moment de gel. Et le Seigneur a opéré un miracle pathétique. C'est un territoire français. Tu vois les blancs, il dit c'est fini, il ne veut plus ça. C'est un miracle. Amen. Mais je vous informe qu'il est pasteur. Voilà, vous voyez. Voilà, donc lui, monsieur. Sauf pour toi. Pour la question? Non. Je n'ai pas besoin que tu réponds à la question. Voilà. Non, mais il faut qu'on le mette à côté. Les questions. Et la Bible comporte combien de lignes? 66. Je te bénis. Je te bénis, grandis dans la sagesse. Dans la crainte de Dieu, que Dieu
dit, je suis bouleversé déjà. Si la plus petite déjà dit, c'est que c'est fini. Petit, Abraham ouvre les yeux. 66 livres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. En réalité, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible? Quand on dit Bible, ça veut dire quoi? Très bien, attends le Seigneur. Mais je peux parler avec condition. La Bible, donc, ça veut dire bibliothèque. Bibliothèque veut dire l'ensemble de plusieurs livres. D'accord? La Bible, ça veut dire bibliothèque, c'est bibliothèque l'ensemble de plusieurs livres. Il y a deux grands groupes dans la Bible. J'aimerais interroger personne, moi-même, mon prochain. Je peux interroger, vous cacher, tout comme on vous voit. Hein? Il y a deux trucs dans la Bible qui m'intéressent. La Bible, là, compose deux grands trucs. Toi. On attend le Seigneur. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Le Testament, c'est un témoignage. C'est un témoin. Il y a l'Ancien Témoin et le Nouveau Témoin. On aura l'occasion de revenir là-dessus. On acclame. Vous n'avez pas encore le choix. Ça dit que vous êtes bien. Hein? C'est très bien. Parce qu'il faut connaître la chose que tu as en main. C'est quoi en réalité? Ce que tu as en main, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Bible, ça veut dire quoi? C'est plusieurs livres ensemblés dedans. C'est une bibliothèque. Voilà, amen. On va aller pas à pas comme ça. Je pense que la semaine prochaine, cette semaine, nous bouclons. Nous sommes en train de boucler les familles. Les familles. Maintenant, nous allons étudier les quatre évangiles. Et ça, c'est très important. Nous allons étudier les quatre évangiles jusqu'en... Nous allons toucher le Nouveau Testament. Nous allons toucher le Nouveau Testament. Pour un nouveau chrétien, il doit d'abord commencer par le Nouveau Testament. Il comprendra mieux. D'abord, à commencer par les évangiles, qui sont la vie de Jésus sur terre et les enseignements. Ça va déjà vous initier, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, nous allons, puisqu'il y a quatre familles, il y a la famille Israël, la famille Jésus, la famille Caleb et la famille Abraham. Il y en a quatre évangiles. Donc, la famille Israël sera chargée de nous lire tous les livres. Vous allez étudier tous les livres de Matthieu. Tous les livres de Matthieu qui composent 28 chapitres. Voilà, vous commencez du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, 28 chapitres. Vous allez nous faire d'abord le résumé. Le texte, c'est qui, il nous parle de quoi, le livre nous parle de quoi. Dans vos recherches, vous pouvez aussi m'introduire, il n'y a pas de problème, je peux vous aider. Donc on aura l'occasion de se voir vendredi, naturellement pour les études bibliques. Voilà. Et nous avons des plateformes qu'on appelle des forums. Voilà, des familles. Et je tenais à saluer la famille d'abord Israël. Beaucoup actifs sur le forum. Et il y a aussi la famille Abraham. Mais les autres familles, là, il y a quoi? Vous êtes moins. Ça veut dire quand vous êtes là-bas, là, dites bonjour. Parce qu'on est tous, moi je suis aussi là-bas. Bonjour, des passages, on aimerait savoir des choses. C'est justement pour vous aider dans la foi, savoir ce qui se passe. On n'a pas forcément besoin de savoir votre quotidien. Mais des passages, c'est la fraternité. Dites bonjour, je reçois, amen. Ça c'est beaucoup très important. Et s'il y a des difficultés, voyez vos responsables de famille. Et pour que ces personnes puissent m'informer, enfin que nous puissions intervenir immédiatement. Nous sommes en train d'avoir travaillé, mon épouse et moi, travailler sur le projet, vous rendre visite à la maison. Et ça sera vraiment, ça fera du bien. Amen. Donc la famille Abraham, plutôt Israël, chargée de lire tous les livres, d'étudier, de nous montrer le livre de... Alors, Matthieu. Une personne minimum, vous devez résumer 9 versets. Minimum. Minimum 9 versets. Voilà. Pour vous dire déjà. La semaine prochaine, cette semaine qui démarre à partir de lundi, c'est la famille Israël. On attend le Seigneur. Israël, vous avez vu un peu. Donc Israël, que Dieu bénisse. C'est la semaine d'Israël. Dimanche prochain, Israël. On peut compter sur vous. Hein? Très bien. On ne surprend pas Israël. Tu surprends la direct. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? La famille Jésus. La famille Jésus, c'est le livre de Marc. Voilà, le livre de Marc. Jésus, vous allez nous lire tout le livre de Marc. Marc, alléluia. Et le livre de Caleb, tout le livre de Luc.
l'évangile selon Luc, et la famille Abraham, l'évangile selon Jean. Amen. Vous avez déjà vos évangiles, différents évangiles. Ne jouez pas avec ça. Essayez par moment d'expliquer ça. Si ceux qui ont les WhatsApp, allez ici les WhatsApp, expliquez les chapitres par chapitre. Ou bien essayez. Moi, je peux même intervenir, vous aider. Ce sont les études bibliques. Qu'est-ce que le livre, le chapitre 1 nous parle de quoi? Le chapitre 2 nous parle de quoi? Le chapitre 3 nous parle de quoi? Et ainsi de suite. N'ayez pas peur, ne soyez pas stressé. Hein? Il faut faire des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Amen. D'accord? Mais tout compte fait, il faut que vous habituez à toucher la Bible tous les jours. Ça, c'est important. Si vous négligez ça, nous avons vu un peu dans le livre de Jésus, le chapitre 1. On dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Donc, un chrétien doit normalement toucher la Bible tous les jours. Voilà. Voilà pourquoi on est ici, les groupes, on est chrétien. Il faut que tu touches, tu sois en mesure de toucher. Hein? Amen. Donc, essayez chaque jour de toucher le chapitre, essayez de faire les commentaires, et ça vous fera du bien. Amen. Si vous maîtrisez plus la parole de Dieu, vous allez voir le diable fuir très loin de vous. Vous avez vu que la parole de Dieu, Jésus, le diable, il prend la parole pour attaquer Jésus. Il dit à Jésus, il est écrit. Jésus dit, ah bon, moi, monsieur, la parole, frère cher, arrête ça, monsieur. Il est écrit aussi. Il y a des gens que le diable attaque, il dit, ah bon, donc c'est vrai. C'est parti. Amen. Vous savez, le diable, il attaque les gens les plus faibles. Quand il y a une guerre, il y a des gens qui prennent balle. C'est comme ça le combat. C'est les hommes plus forts, n'est-ce pas, qui gagnent la bataille. Et pour être fort, dans la, pour être fort, il faut être nourri, s'alimenter de la parole de Dieu. Il y avait plus de 8000 personnes quand Gédéon, Dieu choisissait l'armée, Dieu dit, mais ceux-là, c'est des plaisantins. Et Dieu pose la question à Gédéon, demande à ce peuple, est-ce qu'ils pourront. Tous ceux qui ne veulent pas, ils sont partis au fou. Ils sont allés dans le Jourdain, ceux qui buvaient l'eau comme ça. On les exclut. Il y a eu 300 personnes pour aller au combat de Madian. Ce n'est pas n'importe qui remporte souvent la victoire. C'est les hommes les plus forts. Si vous voulez être fort dans le Seigneur, c'est uniquement que la parole de Dieu, la parole et la prière. C'est tout. C'est la parole de Dieu. Si vous négligez ça, le diable va vous allumer sur le chemin. Sauf que quand vous réveillez le matin, après avoir fini de parler, prenez vos petits déjeuners, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de foutou seulement. Je ne sais pas un foutou. Hein. Où est Placali, il est sur corps. Mais aussi un Péba. Clébi à bas. Mais non aussi, mais aussi de la parole de Dieu. Parce qu'en Israël, ils m'ont pain, Nous, on n'a pas pu dire ça. Un jour, on m'a invité à table quelque part. On dit, on commence par le pain. Il dit, non, moi, il commence par le riz et la sauce. Je ne suis pas habitué à commencer par le pain. Si je commence par le pain, salade, tu seras rassasié. Mais j'ai tout vidé. Donc, je commence par le riz, sans graines. Comme ça, je vais bien finir. Chacun sa culture. L'estomac, c'est quelque chose qui s'intègre difficilement. Et ça me fatigue pour ça. Amen. Amen. Oui, ça fatigue, hein. Ouais, parce que nous, on court des restes encore ici. Parce que ma maman, elle s'est bien préparée. La dernière fois, elle a fait sauce, plat, je suis allé manger. J'étais bien rassasié. Amen. Amen. Voilà, donc il faut s'alimenter. Il faut toujours lire. Quand le lion vient attaquer, il attaque, n'est-ce pas, le gibier le plus faible. Si vous êtes faible, le diable va vous attaquer. Pour grandir dans la foi, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de ça. Quelqu'un qui est assis dans la parole, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il y a des gens qui ont peur des attaques. Parce que vous n'êtes pas assis dans la parole. Il attaque, mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, tout amour qui est contre toi sera sans lui. Ah. Ils ont peur d'attaquer. Ah, je suis toi avec les gens. Je dis, mais tu ne fais que réciter la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Comment tu peux exclure et la vie chrétienne t'attaque? Non, on m'attaque trop, mais c'est normal parce que tu n'appartiens pas au diable. Non, c'est trop. Mais toi, tu penses que l'attaque du diable est petit. La dimension de ta destinée est aussi la dimension de l'attaque que tu lui sors. Amen. Moi, j'aime bien qu'on m'attaque. Vous savez, quand vous attaque, ça vous aide vous-même. Non seulement ça, ça vous permet de vous améliorer. Et vous, ça vous plonge dans une consécration. Ça vous amène à rechercher Dieu davantage. À l'avoir comme appui, comme force. Amen. Amen. Tu as quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Amen. On ne va pas trop tarder. Donc, vous dites, nous voulons fonder une église charismatique, non seulement ça, mais une église assise dans la parole de Dieu.
Il faut dire déjà, à partir de la première famille Jésus d'Israël jusqu'à la famille déjà, Caleb la dernière fois, j'ai vu déjà le niveau spirituel de tout le monde. Ça m'a aidé à connaître le niveau spirituel de tout le monde. Et en tant que guide spirituel, ça m'aide maintenant. Ça dit, ça m'a aidé, ça m'a en train de m'aider à pouvoir vous donner la nourriture adéquate. Si quelqu'un qui va manger ce n'est là, il va le foutre. Tu vas le tuer. Il y a des enfants qui sont là. Hey, parce que maman dans les maillettes, viens. L'enfant, non, c'est, il n'a pas l'âge de viande. Vous comprenez? Parce qu'il y a des nourritures, on a déjà regardé dans la manière de répondre, tout ça, c'est une stratégie. Dans la manière de répondre, tout ça, j'ai dit, j'ai vu un peu le niveau des gens. C'est en fonction de votre niveau qu'on va aller doucement. On va partir du primaire jusqu'au doucement, secondaire, jusqu'à l'université. Sinon, on va pas aller. J'ai compris qu'il faut aller doucement avec vous. Amen. Amen. Parce que souvent, il a posé des questions. Dit, j'ai posé des questions. J'ai compris. Amen. On va tous. Parce que l'Église est là pour aider. Amen. Ce n'est pas la concurrence, c'est pour aider. L'Église est là toujours pour aider les gens à avancer. Amen. L'Église prend les mauvaises personnes et les transforme. À l'image de Christ, il dit, je ne mets jamais dehors celui qui vient à moi. Que Dieu bénisse. Amen. On a fait maintenant la famille Abraham, la couleur. Mais nous expliquer la portée de cette couleur. Caleb, c'est vous qui avez appelé les couleurs. Ouais, non, c'est Israël. Hein? C'est vous, Caleb, non? Caleb. Allons-y. Alors, on a défini. Non. Coupe ça. Coupe ce que tu entends déjà. Je ne veux pas que tu regardes un truc. Je pense qu'une couleur, on l'a déjà dans la tête. Je peux penser, je peux. Et le messager peut venir nous décortiquer les choses par rapport à ce qu'il a retenu. Mais une couleur, non. Tu ne dois pas prendre ton portable ou lire ce qu'on te dit. Ce que tu sais de la couleur. Alors, on a dit que, enfin, on a vu que le violet, c'est une couleur de pénitence. Une couleur de pénitence et de sacrifice déjà à la base, qui implique la pénitence. Et là, on a pris ça sur le plan spirituel à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nous et qui a enduré la crucifixion sur la croix. Et donc, la couleur du violet, ça implique la pénitence, le sacrifice et également la promesse et l'espérance. Vous êtes d'accord avec ça? Non! Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Vous avez retenu? Parce que vous voulez la couleur de l'air, c'est quoi? Qui a retenu un peu? Personne? La pénitence. La pénitence. Généralement, la couleur violette, c'est la couleur des serviteurs de Dieu. Parce que c'est symbole de sacrifice, comme la Bible, du service. Et symbole de l'endurance. C'est l'endurance. Et derrière cette couleur, il y a la sagesse et la soumission. Amen. Amen. La couleur violette, c'est l'endurance, c'est le service. Et généralement, la plupart d'autres sont catholiques, ils voient que les évêques portent la couleur violette quand ils sont en train de servir. Mais généralement, pour ceux qui veulent l'ordination d'un pasteur, juste en bas avec la parole pastorale, c'est la couleur violette qui symbolise le service. Le service et l'endurance et puis la soumission. Amen. Amen. Alléluia. Donc, après la couleur rouge, on comprend que vous êtes dans la révélation. Donc déjà, c'est le point. On attend le Seigneur pour ça. Ça va? C'est tout ce que tu as dit sur la couleur. Maintenant, on va nous parler d'Abraham. Qui est Abraham? Qui est Abraham? C'est un patriarche. Les grandes religions que vous voyez ici, les grandes formes de religion se retrouvent en Abraham. Donc Abraham, c'est révélateur. C'est quelque chose de très costaud. Donc je ne suis pas surpris que Abraham nous fasse des choses comme Abraham. Amen. Je ne suis pas surpris. Donc il faut qu'on nous parle d'Abraham. C'est important. Je laisse la parole à celui qui va parler. Encore vous nous épargnez avec l'écran géant, est-ce qu'on va te ramener le Seigneur? Encore.
Amen. On va vous parler de la foi. C'est d'Abraham qu'est issue la nation d'Israël. Mais Abraham, c'est un homme comme vous et moi. Il a parcouru un certain nombre de difficultés dans sa marche vers Canaan. Il a connu des obstacles, il a été persécuté. Et c'est ce que nous allons parcourir ensemble dans le déroulé que nous allons faire sur la vie d'Abraham. Abraham a couvert, donc on le verra dans Genèse 11, versets 26 à 31. La Bible nous dit qu'Abraham avait pour père Terach. Terach est issu de la descendance de Sem. Sem, c'est le fils de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? La Bible nous a dit aussi que Abraham avait deux frères, Nachor et Haran. Haran eut un fils qui s'appelle Lot. Et Abraham avait une femme qui était stérile. Ce qui est bon de préciser aussi, c'est que le père d'Abraham, Terach, il était issu d'une communauté d'idolâtres. Hein? Donc ils avaient aussi une dévotion aux idoles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père d'Abraham, lorsque Haran mourut, a décidé de partir de Our vers Charan avec toute sa famille. Donc il a pris Abraham, son petit-fils Lot, la femme d'Abraham, Sarai, et ses serviteurs, pour se rendre à Charan. Alors, ce qu'on peut préciser à ce niveau-là, ce n'est pas nécessairement un appel de Dieu qui a amené Terach à aller vers Charan. J'ai dit tout à l'heure qu'il était issu d'une communauté d'idolâtres, mais il y avait aussi le commerce. Et à l'époque, commerce et idolâtrie allaient un peu ensemble. Donc, en allant vers Charan, c'était pour aller dans un endroit plus propice à ses activités. Mais il mourut à Charan. Et il mourut à Charan et Abraham, bien évidemment, se retrouvait responsable de toute la famille. C'est en ce moment-là que Dieu lui parla. En Genèse 12, verset 1, Dieu lui dit ceci, et je cite, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » C'est très fort. Dieu lui demande de tout abandonner. Dieu lui demande une rupture totale, d'avec ses préjugés, une rupture totale avec ses considérations, une rupture totale avec sa famille, avec la maison de son père. On sait que quand on est responsable d'une famille, surtout quand le père est décédé, on a envie de rester là pour assurer la descendance, pour assurer tout ce que le père nous a légué. Mais Dieu lui dit, laisse tout ça et suis-moi. Mais ce qui est plus fort, c'est que Dieu lui dit, suis-moi, sans lui dire précisément où il doit aller. Et Dieu n'a pas laissé Abraham beaucoup de temps dans le doute. Il lui a dit, dans Genèse 12, versets 2 à 3, on ne le voit pas là, mais il a promis à Abraham une descendance, une récompense à l'appui. Dieu t'a dit, romps avec tes pratiques, romps avec tout ce que tu faisais avant, suis-moi, mais ça ne sera pas vain. Donc Dieu le dit à Abraham. Acclamons Dieu à ce moment aussi. Et qu'est-ce qui se passa? Dans Genèse 12, verset 5, Dieu nous dit, la Bible nous dit qu'Abraham a obéi. Abraham est parti dans le lieu que Dieu avait lui indiqué. Et il est parti avec qui? Il est parti avec sa femme Sarai, il est parti avec son neveu Lot, et il est parti avec ses serviteurs, tout ce qu'il pouvait avoir comme bien, de Charan vers une destination que Dieu va lui indiquer. Mais ça, à cette partie de l'histoire, permettez-moi de faire un parallèle avec ce que nous vivons de nos jours. Parce que dans Hébreux 11, verset 8, il est dit ceci, c'est la foi qu'Abraham a obéi, c'est par la foi
qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. Et c'est donc cette foi que nous souhaitons tout savoir et pour laquelle nous demandons à Dieu de nous aider. Et c'est cette foi qu'a eu notre papa, le prophète Joël Crasso, quand il a quitté Abidjan, où il avait commencé son ministère. Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le prophète Joël avait une salle qui était remplie, qui était bourrée à craquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, laisse tout ceci et va dans un village perdu à Divo. Amen. Il est parti à Divo. Mais on a toujours dit, l'appel de Dieu ne reste pas en vain, sans promesse, sans résultat. C'est justement parce qu'il est parti et qu'il a obéi que son ministère a pris cette ampleur internationale que nous connaissons tous et qu'il faut acclamer. Alléluia! Donc, je disais, Abraham a obéi et il est parti avec sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Dans le pays où il était, il eut de la famine. Une très forte famine. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû aller en Égypte pour chercher, évidemment, à manger. Mais comme nous tous, qu'est-ce qu'il a fait aussi? C'est qu'en allant en Égypte, il a comploté avec sa femme, Sarah. Il lui a dit, fais-toi passer pour ma cousine, fais-toi passer pour ma sœur. De sorte qu'on ne me tue pas. Mais surtout derrière cela, c'est que le pharaon ayant pris Sarah pour épouse, a donné beaucoup de biens à Abraham. Il a eu beaucoup de cadeaux. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc Dieu a envoyé des plaies contre le pharaon, a attaqué le pharaon pour lui dire, non, cette femme n'est pas à toi, cette femme est d'Abraham. Et donc, le pharaon est allé retrouver Abraham et lui a dit, réponds ta femme. Abraham a donc repris sa femme, il a quitté l'Égypte avec son neveu Lot. Et nous arrivons à une partie très importante. C'est que quand ils ont quitté l'Égypte, c'est-à-dire Lot, Abraham, sa femme et ses serviteurs, ben Dieu a apparu à Abraham et nous pensons que Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de l'obstacle qui te suit, c'est-à-dire sépare-toi de Lot. Et Abraham a constaté que les bergers de Lot et les bergers et ses bergers se querellaient régulièrement et il a demandé à son neveu Lot de se séparer. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que Lot est parti dans le pays de Sodome et Abraham a continué sa marche avec un ange. Cette partie de l'enseignement veut simplement nous dire par là que dans la marche vers Canaan, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des obstacles. Alléluia. Et nous sommes amenés à nous sortir de ces obstacles, à nous éloigner de ces obstacles, fût-il nos parents, fût-il nos sœurs, fût-il nos frères, fût-il nos parents, tant qu'ils nous empêchent d'aller dans le chemin que Dieu nous a indiqué, nous sommes amenés, obligés de nous en séparer. C'est un pasteur, non? Et donc, effectivement, à ce niveau, Abraham a continué avec Canaan. Mais on va faire un petit aparté par rapport à Lot. Lot est parti à Sodome. Alors Sodome, c'est vrai que le papa prophète nous a dit précisément ce que ça voulait dire, mais je vais le dire, et excusez-moi, dans Sodome, il y a sodomisé. Donc c'était vraiment de la dépravation incarnée à Sodome. Donc il y avait de la richesse, c'était un pays qui était bien, mais c'était un pays qui n'était pas pur. C'est un pays où on pratiquait le péché. Et Abraham a certes continué avec Canaan, mais Lot a choisi d'aller à ce niveau-là. Donc Lot a vécu
à Sodome, jusqu'à ce que qui l'a sauvé de Sodome, jusqu'à ce que Abraham lui-même intercède auprès de Dieu pour que lorsque on a détruit Sodome, Lot soit épargné. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire concrètement? Abraham s'est séparé de Lot. Chacun a suivi son chemin. Mais malgré tout, Abraham a eu une supervision. Abraham a protégé Lot. De sorte que quand Dieu avait décidé de détruire Sodome, c'est Abraham qui a intercédé pour Lot. Amen. Cela nous appelle, nous fidèles, à nous dire que Dieu a mis sur nos routes des serviteurs. Ne coupons pas les relations avec nos serviteurs, parce qu'ils prient pour nous. Amen. Quand nous commençons à avoir cette faiblesse de foi, nous avons également besoin d'être soutenus, d'être supportés par un serviteur. Et ici, notre serviteur, c'est le prophète Joël Asselin. Oui. Sodome a été détruit et Lot a pu être sauvé. Mais la Bible nous dit que pendant que l'ange avait demandé à Lot de s'enfuir avec sa famille, donc ses deux filles et sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, et en plus les anges ont précisé, partez et ne regardez pas en arrière. Et la femme a regardé en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en statue de sel. Qu'est-ce qu'on retient de cela? Non, avançons. Quand Dieu nous appelle, avançons. Ne reculons jamais. Amen. Avançons. Amen. Et Papa Prophète nous a aussi donné une chanson, et à ce niveau-là, on va le chanter ensemble. Naïlio, 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 Naïli, go, 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 Naïlio, Naïlio, Naïli, go, 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 Naïlio, Naïlio, Naïli, go, 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 Naïlio, Naïlio. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là dans cette chanson? Quand Dieu vous a choisi, quand vous avez décidé d'aller vers lui, quand vous avez décidé de marcher vers lui, quand vous avez été délivré, quand Dieu vous a parlé, ne revenons plus en arrière. Ne revenons plus en arrière. Ne revenons plus. Amen. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé par rapport à Lot. Et on revient donc à Abraham qui continue sa marche vers Canaan. Donc on a dit qu'il a eu des difficultés. On a dit qu'il a eu des obstacles. L'obstacle, c'était Lot. Les difficultés, c'était la famille. C'était la famine. C'était beaucoup plus que ça. Parce que pour libérer Lot, Abraham a dû combattre. Abraham a dû combattre des rois pour aller libérer son neveu. Donc, il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé aux mains de l'ennemi. Mais quant à lui, Abraham, un doute commençait à s'installer. Un doute de sa progéniture. Dieu lui dit, tu seras le père d'une nation, d'une multitude de nations. Dieu lui dit, tu vas rassembler beaucoup de monde, que tes enfants ne pourront pas être comptés. Tes enfants seront les étoiles du ciel. Tes enfants seront le sable de la mer. Et Dieu lui dit, ok, c'est bien tout ça, mais je n'ai pas de postérité. Et moi, qu'est-ce qui me reste-t-il? C'est Élisée de Damas, mon serviteur, qui risque d'être mon héritier si je n'ai pas de descendants. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Abraham, bien entendu, on suppose qu'il en a parlé avec son épouse Sarah. Mais Sarah, voulant donner un enfant à son mari, a demandé à la servante, une servante égyptienne, Agar, d'avoir des relations avec son homme.
Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit un désespoir pour les femmes. Et aujourd'hui encore, nous le vivons. Nous prenons une solution humaine quand nous sommes dans des difficultés. Nous pensons que la solution humaine peut nous permettre d'y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, un enfant est né et il s'appelle Ismaël. Ismaël veut dire Dieu a entendu. Et donc, il y a eu donc, la naissance d'Ismaël. Mais malgré tout, Dieu a continué. Il a continué, oui, à renouveler sa promesse à Abraham et à Sarah en lui annonçant que Sarah sera enceinte. Et qui a annoncé cela? Ces trois anges. Parce qu'Abraham avait cette connexion avec Dieu et qu'Abraham a pu reconnaître. Et ce sont ces anges-là qui ont annoncé à Sarah qu'elle sera enceinte. Évidemment, ils n'ont pas cru avec l'âge avancé qu'ils avaient. Mais, pour raccourcir, Dieu a tenu ses promesses. Amen. Et Sarah a eu un enfant. Amen. Du nom d'Isaac. Alors qu'elle avait 90 ans et 95 ans pour Abraham. Isaac veut dire Dieu a souri. Ce qu'on comprend dans cette partie, c'est que Dieu a entendu avec Ismaël et Dieu a souri avec Isaac. Ça veut dire que quand nous avons nos problèmes, quand nous avons nos soucis et que nous nous adressons à Dieu, effectivement pour nous le compteur tourne. Le compteur ne tourne pas pour Dieu. Mais en même temps, Dieu, vivant notre assistance, parce que là, Abraham et Sarah ont insisté. En voulant prendre une solution humaine avec Ismaël, ils ont insisté. Et Dieu a dit, ok, j'ai compris. Il a permis à Sarah de tomber enceinte. Donc, l'enseignement pour nous, c'est d'insister. D'insister face à nos démons. D'insister auprès de Dieu. Et Dieu finira par nous comprendre. Finira par exécuter. Amen. Amen. Et Dieu ne s'arrête pas là. Malgré la naissance d'Isaac, il dit, bon, est-ce qu'il n'a pas fait tout ça parce qu'il voulait que je lui donne un enfant? Alors je vais demander à Abraham de sacrifier son fils, de me donner son fils en holocauste. Bon, à ce stade, nous, humains, on allait commencer à avoir une foi sélective. Parce que quand c'est bon, on pense que c'est Dieu, on est sûr que c'est Dieu. Et quand c'est pas bon, bon, là on commence à se poser des questions. Et Dieu dit, viens offrir ton fils en holocauste. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a exécuté. Il a obéi. Il était même sur le point de sacrifier son fils lorsqu'un ange l'en a empêché. Et en lieu et place, une brebis a été sacrifiée. Amen. Amen. Donc voilà, Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve continuellement. Oui, ils ne baissons pas les bras. Nous sommes dans du vrai. Nous savons que nous sommes dans du vrai en suivant Dieu, en suivant Jésus-Christ. Et comme nous savons que nous sommes dans du vrai, nous continuerons. Et nous obéirons chaque fois que nous le devons. Donc l'enseignement d'Abraham que nous avons parcouru ensemble, c'est vraiment cette foi qui nous a fait ressortir. Cette foi en Dieu. Cette foi en Dieu depuis l'appel que Dieu lui a adressé. Il a parcouru un certain nombre de difficultés dans sa marche avec un homme, mais il n'a pas baissé les bras. Il a continué. Il a continué. Demandons donc Dieu, à Dieu de nous aider à continuer. Amen. De nous aider à ne pas baisser les bras. Amen. Demandons à Dieu de protéger notre papa prophète Joël Trasso et maman de Sarah. Demandons à Dieu de nous aider pour le réveil spirituel de cette église. Parce que oui, Dieu va nous aider à ce que cette église aille de l'avant. Amen. Oui, papa pasteur, papa prophète, Jésus. Et c'est même facile de dire. Pasteur, viens là. Monsieur le révérend. Est-ce qu'on peut clamer Jésus pour Abraham? Le mec qui monte comme ça. Hein? C'est parce que moi, je te révélerai. C'est où? Les gars, on te coule les talents.
Je couvre, hein. Il y a des gens ici, mais ils ne sont pas gagnés. Hein. Vous voyez le sens des familles. Ils sont là. On pense qu'ils connaissent un verset. Quand il dit il a fait ressortir un élément qui m'a tellement plu. Et s'il n'avait pas sorti l'élément, ça allait bouleverser toute la famille. Ça dit, tout ce qu'il avait fait comme design, il allait mettre son bout. Le sacrifice d'Isaac. Et il a touché ça. J'ai dit, c'est fini, ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a bien résumé. Il a bien touché. C'est pas fait de dire non. Et le prophète, non. Vous-même, vous avez vu, vous savez que c'est vrai. C'est pas fait de dire non, le prophète. Vous-même, vous avez vu, tout ce qu'il vient de dire là, c'est vrai. Il a bien détaillé, il a bien fait. Est-ce qu'on peut acclamer la famille Abraham? Est-ce qu'on peut acclamer la famille Abraham? Israël, vous allez nous parler de la vie de Jésus, la partie de Matthieu. Comment Jésus est né? Il a fait combien de temps? Il a fait, qu'il a trahi aussi. On connaît tout ce que Jésus a. Comment il a vécu? Jusqu'à la crucifixion. Vous allez détailler ça, le premier chapitre jusqu'au nouveau chapitre. C'est comme ça. Jésus aussi fera la même chose. Et il s'agit maintenant de la vie de Jésus. Nous allons parler de la vie de Jésus. Comment il a vécu, qui était sa mère, son cousin c'était qui, tout ça. Quand on va vous toucher par rapport au livre, c'est ça. Parce que tous les évangiles parlent de la vie de Jésus, son ministère, et c'est ça qu'il s'agit. Pendant tout ce un mois, nous allons parler de la vie de Jésus. Pour un chrétien, il doit connaître impérativement la vie de Jésus. Comment Jésus a vécu sur cette terre, combien de temps de ministère il a eu, le but, la mort de Jésus-Christ à la croix. Et ça, si vous maîtrisez, vous maîtrisez toute la chrétienté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille Abraham? Franchement, hier, je l'ai écouté, j'étais en train de recevoir, pendant que je recevais, j'ai mis mon scanner un peu en veilleuse et puis j'ai mis mon écouteur derrière. Donc pendant que je recevais, j'écoutais derrière. J'ai dit, mais le monsieur, attends, monsieur, pas nous en veille. Donc j'ai touché sa tombe, mais il enseignait où? Dans une église, un lion. Et l'enfant vient d'apprendre. Il dit, apprendre comme ça. Ah, donc c'est comme ça, il démarre. Donc si tu commences alors. On est foutu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Nous voulons que vous soyez imprégné de votre sujet. Vous maîtrisez votre sujet. Le sujet du chrétien, c'est Jésus. La chrétiennité. Si vous ne maîtrisez pas ce sujet, le diable va vous balancer, il va vous mettre dehors. Nous sommes dans un royaume. Il faut savoir pourquoi tu es dans ce royaume de Dieu. C'est cela que c'est important de maîtriser la vie de Jésus à partir des évangiles. Chaque famille aura un livre d'évangile. Israël, l'évangile de Matthieu, Marc, Jésus, Caleb, lui, en revenant, nous allons revenir après sur Abraham. Abraham a eu le temps, vous voyez, il a eu le temps de voir un peu, c'est ça aussi la force. Vous avez le temps de regarder un peu, de chercher, ah, non c'est comme ça, non c'est comme ça, non c'est comme ça, donc nous sommes, ok, ok. Donc je pense que la même chose aussi, Israël aussi a pigé. Hein? On acclame le Seigneur. Ça partit des familles qui ont beaucoup de talent de Aurélie. Amen. Je découvre aussi le talent encore de Madame Bam. Que Dieu bénisse. Dis à quelqu'un, sois fort. Vous savez, je ne sais même pas s'il faut vous poser des questions. Moi-même, je suis tellement satisfait. Les questions même là, ça ne va même pas venir. Quelque chose qui est bon, tu as même beaucoup de sel dedans, ça a gâté. Tu as goûté. Sauce là, c'est bien. Je vais venir mettre, il mange beaucoup, ça va gâter. C'est comme ça, c'est la sauce là, je ne peux plus ajouter grain de sel. Chez moi-même, je gâte. C'est moi-même. Est-ce
qu'on peut acclamer? Alléluia! Non, je suis content pour vous. Et comme Israël s'est fait des supplices, on vous attend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc nous repartons dans les couleurs. Nous avons encore un mois, et il faut maîtriser la vie de Jésus. Ça, il faut la maîtriser. Jésus est né de qui? Il est né où? Il est né où? Dans quelle ville Jésus est né? Il allait se réfugier où? Qui était son père adoptif? Tout ça, il faut maîtriser. Donc les quatre évangiles nous amènent dans la vie de Jésus. Et après les évangiles, nous allons voir, commencer à voir les épîtres, Actes des apôtres et Romains, et puis pour maîtriser les choses, pour que nous soyons enracinés dans la foi. Ce n'est pas une question de suivre le prophète Kassou, où il vient dans l'église, où le prophète attrape des sorciers. Mais non, il faut que vous soyez imprégnés de la parole de Dieu. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il a fait quelle école théologique pour nous faire ressortir les choses, parce que c'est l'élément, il explique l'hermélétique, l'explication des choses. Parce qu'il y a l'homélique et la prêche, puis il y a l'hermélétique qui rentre dans les détails, et puis nous fait comprendre les choses terre à terre, qu'on a tous compris. C'est dans ça que j'ai venu, mais tu m'as gilet, gâté ça, c'est dans le temps. Vous avez compris? Quand la sauce est douce, on ne cherche plus à mettre une magie dedans. On ne cherche plus à chercher sel pour même aller dans la cuisine pour venir que tu as gâté ça. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. D'ailleurs, c'est tout le monde qui gagne, on acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord passer au témoignage. Nous avons deux cartes d'anniversaire. Il y a Caroline Marc, c'est qui? Carole, autant pour moi. Carole Marc. On acclame le Seigneur pour Carole. Merci, joyeux anniversaire. Tout le monde, joyeux tout joyeux anniversaire à notre soeur. Je suis allé à Milan pour apprendre le bébé avec M. Jean-Louis, le maître professeur de bébé. Ni ka fe be dali ya ma, na ma adi o, na na kasi o. Ni ka fe be dali ya ma, na.
Kalakasi, Abenato, Kalakasi, Abenate, Kalakasi, Abenato, Abenate. Va pleurer, il va donner, il va donner.
Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est tout puissant. Nous allons écouter les témoignages. Shalom, peuple de Dieu. Je suis M. Bernard Riss Gapa. C'est depuis 1999 où j'ai été attaqué. Ça a commencé par un vomissement sanguin. Et en 2000, j'ai eu l'occasion de venir en France pour terminer mes études supérieures. Arrivé ici, en 2007, j'avais fait ce qu'on appelle une méléna. Ceux qui sont des médecins, ils peuvent aussi le savoir, mais la méléna, c'est quand quelqu'un, il y a eu une fuite de sang dans le ventre et vous faites caca avec du sang. Aurélie, tu veux bien expliquer? Non? Qu'est-ce que c'est dans le corps? Non, je vais demander parce qu'il faut qu'on nous explique un peu. Vous êtes dans le corps? Ok. Excusez, il faut qu'on explique un peu pour nous les profanes. Bonsoir. Le méléna, c'est une maladie. C'est le sang digéré dans les selles. Donc, ça fait les selles très noires et ça dégage une mauvaise odeur. Bon, ça veut dire qu'il y a le sang dans ton ventre. Il fait le sang. Ça se mélange aux selles. Donc, ça a été diagnostiqué comme étant un début d'une hypertension au niveau de la veine porte. C'est-à-dire la grosse veine qui fait circuler le sang au niveau du cœur. Pour cela, je suis suivi depuis 2007 par des examens tous les 3 mois. On fait une, vous pouvez voir les papiers qui prouvent que c'était ça. Montre-nous les papiers qui démontrent que la maladie avait commencé. Et effectivement, depuis cette date, nous voulons voir les papiers. Parce que par moments, les gens pensent que c'est des montages. Nous allons vérifier les papiers. Et Mathy, tu es dans le corps. Ok, nous le résultat, on va bien comprendre, parce que c'est important. Les gens, ils aiment bien attaquer, mais ils veulent transformer ce qui est vrai en faux. Donc, il faut qu'on vous explique très bien ce qui se passe. Ah tiens, tu as beaucoup de papiers. Échographie abdominale. Oui, allez-y. Poids de taille normale mesurant 85 mm devant la honte. Je vais son ventre en direct. La conclusion, qu'est-ce qu'il dit? La conclusion, nous voulons. Foie de pathologie chronique sans lésion modulaire suspecte, mais avec des signes morphologiques et hémodynamiques d'hypertension portable, absence d'astrite. Pour toi, non. Aurélie, tu peux. Oui, information du foie. Non, pardon. Bien, c'est important pour nous. Il faut que les gens comprennent que. Parce que les gens, par moment, ils pensent que c'est des montages. Il faut que. Ah, vous voulez venir? C'est qui? Viens. Ah, oui, dis-moi. Toi, t'es pharmacien. Voilà, donc en fait, le méléna, c'est en effet du sang digéré par les intestins, donc on trouve dans les selles. Je vous sens beaucoup heureuse, ça me fait plaisir. Fatiguée. Non, vous êtes heureuse. Okay. Et ça sent sur vos visages. Heureuse de connaître mieux Jésus. Très bien, je t'en acclamer le Seigneur. Voilà, donc ce qu'il a eu, le frère, par le biais des mélénas, on voit signe morphologique et hémodynamique d'hypertension portale. Ça veut dire qu'il était suivi pour une hypertension. Et absence d'acide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflammation au niveau de l'abdomen aussi. Voilà. Et ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 2006. En 2006. En 2014. Oui, donne-moi le résultat. Alors, on voit
Conclusion, dilatation des veines sus-hépatiques de celles qui sont proches du foie avec splénomégalie. Donc c'est une augmentation de la rate. C'est la rate. À confronter aux résultats biologiques. Donc ça, c'est en 2014. En 2017, on a la conclusion. Alors, je lis, hein, je découvre. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, le patient a été informé des risques, bénéfices et alternatives à l'examen. L'œsophage. Pas d'aspect de gastropathie, ça veut dire pas d'inflammation au niveau de l'estomac, pas de maladie d'estomac. Ça, c'est pas des là. Il est suivi donc pour HNR compliqué, hypertension portale, thrombopénie, donc ça veut dire une baisse des globules blancs. Une baisse de globules blancs. Voilà. Cette année. Alors en 2018, cette année en effet, à l'hôpital universitaire Est parisien, donc en Saint-Antoine-Rothschild, hôpital très connu, Saint-Antoine, la conclusion est où? Alors estomac, lac muqueux clair, ça veut dire que apparemment il n'y a plus rien. Au niveau de l'œsophage, éradication des veines, des varices œsophagiennes, voilà. Ça veut dire qu'il avait des varices œsophagiennes, et là, ils ont disparu avec un aspect d'œsophage cicatriciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va demander aux veines de lui mettre un scrutin. Ça, ce sont les résultats. Voilà. Il va bien expliquer ce qu'il a vécu. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 18 ans que je suis des examens tous les 3 mois jusqu'en 2016. Lorsque j'étais parti à Divo, j'étais rentré, le délai des examens passait de 3 mois à 6 mois, tous les 6 mois. Donc je partais à l'hôpital, on faisait une échographie abdominale, on faisait une fibroscopie, c'est-à-dire. Tout le monde le sait. Non, c'est pas tout le monde qui sait. Bon. C'est pas tout le monde qui va à l'hôpital. Donc, on faisait une fibroscopie, un tuyau avec des caméras, on fait dans la gorge, ça va jusqu'à dans le ventre, pour voir s'il y a des plaies, s'il y a des plaies à travers lesquelles, où il y a une fuite de sang, on les fait, on met ce qu'on appelle des ligatures. Madame Gambadien, c'est lui elle-même qui m'a bien expliqué. On les bouche, comme j'aime bien poser les questions. Attends, tonton va bien expliquer. Parce que quand elle m'expliquait, ça m'a effrayé un peu. Elle sait bien expliquer les petits détails. Toi, tu dis tout le monde, c'est qui est un lubrifiant? Qui est là pour aller faire plus de quoi? Il dit tout le monde, c'est moi, je sais pas. Salut, peuple de Dieu. Amen. Le colon qu'il avait, comme il avait dit, en 1992, il a vomi du sang petit matin. Et on l'a traité au pays et on a su déjà faire la classe afin qu'il puisse venir ici finir ses études. Et en 2007, la chose a commencé, il était épuisé et ça n'allait pas du tout. Il est parti à l'hôpital, ils l'ont examiné et puis ils ont dit qu'il y avait les varices et hypertension artérielle. Donc c'est ce qui a provoqué le vomissement. Lorsqu'il était encore en Centrafrique, donc on faisait la fibroscopie tous les 3 mois pour faire le pansement de ces varices-là. Quand il va à l'hôpital, on fait les examens d'abord, les prélèvements, ensuite l'anesthésie et on fait la fibroscopie avec leur appareil pour pouvoir voir les zones qui sont, voilà, qui sont là où il y a les... Ça se fait comment? C'est un tuyau. Oui, c'est un tuyau qui met avec le laser. Pour pouvoir voir là où il y a la plaie, voir l'intérieur, voilà. Pour qu'on nettoie, voilà. Pour voir tout l'intérieur. Oui, tout ça. Oui.
de pouvoir faire le pansement et après on nous conseille qu'il n'a pas le droit de manger quelque chose de chaud pendant 2 jours. Il n'a qu'à manger que les yaourts et les choses. Vous savez qu'il y avait des plats à l'intérieur. Oui, les plats à l'intérieur. Dès qu'ils font le pansement. Alors mieux on met ça pour faire le pansement, oui, pour qu'on soit une plaie. Voilà, dehors. Mais pour lui, c'est clair. À l'intérieur. Oui. Ok. Donc, par rapport à cela, il était fatigué. La force lisse commence à vraiment s'en aller. De fait, il peut dormir 2 jours, 3 jours. Même en 2014, il a été au pays. Il est parti travailler. Donc, ma mère m'a appelé, m'a dit, mais qu'est-ce qui arrive ton mari? Quand il va au travail, il revient, il peut dormir 2 jours, 3 jours. J'ai peur, je dis, maman, c'est son habitude. Deux fois, il peut dormir la nuit, il se réveille à 14h pour prendre son petit déjeuner, retourne, il est constamment fatigué. Donc, par la grâce de Dieu, on a été à Divo. Lorsqu'on est rentré, vraiment, Dieu a commencé à opérer ses miracles. Donc, ça a commencé à aller. Au lieu de 3 mois pour la fibroscopie, maintenant, le médecin, ils ont dit, ça commence à aller, on ne sait pas, les médicaments qu'on a administrés commencent à marcher. Donc, tu reviens maintenant tous les 6 mois. Et après, en 2017, là, c'est une année pleine. Amen. Et le mois passé, il a été... cette maladie jouait sur... Il y a beaucoup de choses. Mais il y avait les globules blancs qui baissaient et il n'avait pas les plaquettes aussi. Donc le mois passé, on devait faire l'anesthésie. Il y a le médecin qui devait faire l'opération. Il a dit, non, je ne peux pas. Si je fais l'anesthésie, ça a refusé. Il a dit, ce monsieur il n'a que 22 000 plaquettes. Si on arrive à faire l'anesthésie, il ne va pas s'en sortir. Donc c'est mieux de le laisser 1 mois, qu'il reprenne encore rendez-vous. Et il va venir, on va admiser, on va transfuser dans les plaquettes. Et par la suite de cela, on va faire la fibroscopie. Donc, il était rentré à l'hôpital le mercredi dernier. Le rendez-vous était à 14h, mais il a pris un peu de retard, il est arrivé à 15h. Donc, on l'a hospitalisé, ils ont fait les prises de sang et tout. Je l'ai appelé, il m'a dit, ils ont dit que normalement, ça devait être l'examen. Les plaquettes devront être admissées le mercredi, mais ils ont dit non, c'est demain matin. 8h, je l'appelle, il me dit non, ils m'ont dit d'attendre que ça se fera à 13h30 et automatiquement il y aura la fibroscopie après. Parce que moi je devais aller le retrouver à l'hôpital avant qu'on puisse rentrer ensemble. Donc à 13h, ils l'ont ramené au bloc, il m'a écrit et puis quelques temps après il est sorti. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé très vite comme ça. Il m'a dit, ils n'ont pas donné, ils ont vu que les plaquettes ont augmenté à 29 000, parce que 30 000 carrés, donc. Donc, ils ont fait l'anesthésie sans problème, et quand ils ont mis leur appareil, ils ont vu qu'il n'y a plus de plaies. Amen. Donc, tout est satisfait. Gloire à Dieu. Et comme je suis arrivée, l'infirmière est venue, il est venu me saluer, et puis elle a vu le dossier, elle a dit, mais monsieur, son médecin, habituellement quand il fait ça, c'est ambulatoire, donc on rentre le même jour. Mais là, comme ils n'ont rien trouvé, ils lui ont dit de rester encore à l'hôpital. Donc, la mine est venue, elle est venue, et puis elle a posé la question. Il lui a dit, normalement, je vais rentrer, mais elle a vu le dossier, elle a dit, mais habituellement, quand vous avez quelque chose, vous rentrez. Mais là, pourquoi on vous a maintenu? Donc, je veux voir le médecin, il doit vous libérer. Parce que son médecin, a trouvé vraiment bizarre que voilà, tout ça a pu se cicatriser. Et l'infirmière a dit, vous allez prendre le rendez-vous avec le médecin pour le voir dans 1 mois, afin de discuter ce qui s'est passé, mais pour le moment, vous pouvez rentrer. Et c'est comme ça qu'on était rentrés et on a dit, c'est mieux de vraiment de remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que je connais son histoire. La dernière fois, il était tellement angoissé, il dit, je n'ai pas fait un résultat, je n'ai pas fait mes examens, je ne supporte pas, c'est difficile, et tout ça. Il était beaucoup fatigué. Et j'ai dit, tout va bien. Cette fois-ci, tu vas t'en sortir. Je prophétise que tu es guéri. Amen. Un dimanche ici, on s'est même trouvé là, j'ai parlé sur sa vie, j'ai dit, il n'aura plus rien. Je suis convaincu que Jésus-Christ t'a guéri. Amen. Et il m'a envoyé un texto pour dire, ce que tu as dit vient de s'accomplir. Est-ce qu'on t'a clamé Jésus?
Ça pour voir, vous tentissez des témoignages, vous allez comme ça,
Allez-y. Non, je sais. Allez-y. Faites comme je veux. Pas comme vous voulez. Allez-y, montrez aux gens. Pour vous dire que c'est du concret, c'est du vrai. C'est ça le Seigneur. Aïe! Ça coulait du pus. Ça coulait maintenant du pus. Oui. Ok.
Et puis le puits, l'odeur du puits est restée en moi. C'est-à-dire que l'odeur du puits est restée en toi. Voilà. Okay. Et tout le temps que j'ai vécu, l'odeur était en moi. Et j'ai vu des nutritionnistes. Et en plus, j'ai oublié un truc aussi par la bouche. Par la bouche. Voilà. Quand vous parlez. Voilà, ça dégage une forte odeur. Vous avez perdu les dents? Oui. Vous avez perdu tous les dents? Oui, j'ai une prothèse de... Donc la maladie l'a menée à perdre toutes ses dents. Oui. Donc elle a une prothèse. Oui, voilà. J'ai des prothèses dentaires. Ok. Allons-y. J'ai eu des opérations et tout. J'ai eu des stomatologues, tout ça, pour des soins, opérations gencives et tout ça. Donc, au niveau de la bouche, c'est quoi? Une mauvaise haleine? Oui, une mauvaise haleine. Okay. Très fort, très avancée. Ok. Et puis, j'ai tout fait et ça ne... Tout, j'en avais marre. Je savais plus quoi faire. Les recettes de grand-mère, tout ce qu'il fallait, je l'ai fait, les dentistes et tout. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas non plus parce que lui, c'est l'argent qui l'intéressait. Je partais, il faisait ce qu'il a à faire et puis je venais à la maison. Mais bon, pour me rassurer, je partais quand même. Et puis un jour, je regardais YouTube, j'ai découvert le prophète Crasso. Et j'ai vu que dans les tutos que je regardais, il y avait des trucs similaires à ça. Et du coup, je ne savais pas comment le croiser. Et j'ai regardé, toujours je regardais, tous les soirs je regardais. Et un jour, j'ai vu un numéro affiché, 07. Et j'appelais, j'avais jamais quelqu'un au bout, j'ai laissé un message. Et puis un matin, à 9h, j'ai dit, bon, aujourd'hui, j'appelle cette personne, je vais le déranger, mais je vais m'excuser après. Et j'ai eu maman Bessora au téléphone. Je demandais, vous êtes la secrétaire du prophète? Elle m'a dit, non, je suis son épouse. J'ai dit, je cherche à croiser le prophète. Et puis elle m'a dit, voilà, vous êtes au bon endroit. J'ai pris rendez-vous. C'était le 27 septembre, récent. Je suis venue, j'ai croisé le prophète en consulte. Je suis venue en consulte. Donc, le 27, jeudi 27 en consulte. 27 quoi? 27 septembre 2018 en consulte. Et le prophète Crasso, j'ai eu un entretien avec lui et je suis partie. Je vous jure que 3 jours après, j'étais guérie totalement. C'est confirmé parce que moi-même, je ne sens plus les odeurs. Oui. C'est vrai, quand je vous dis, c'est vrai. Est-ce qu'on peut tester ça un peu? Oui. C'est vrai, je sentais mauvais. Non, mais c'est vrai, n'ayez pas peur, je ne sens plus le béni. Non, c'est vrai. Je confirme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? À mon seul. À mon seul. Amour, 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 amour
si vous voulez danser le bébé, il est à côté. Et moi, le frère vous donnera les meilleurs coups de bébé. Je suis très heureux pour toi, pour ce miracle pathétique. Le jour se rencontrer le 7 septembre, tu étais vraiment en détresse. Et ça n'allait même pas du tout. Je suis content que Jésus-Christ t'ait guéri. Amen. Est-ce qu'on peut entendre Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Le chant m'était dit, oh mon salut, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Amen. Je ne suis pas allé chercher. C'est lui qui m'a choisi. Vous allez voir, frère, je vais le servir. Il va toujours vous confondre. À mon salut, à mon d'esprit là, on ne sait pas quel moment il va venir me frapper. Donc le monsieur, au moment où il voyait sa femme, j'ai vu qu'un homme qui aimait sa femme, qui était toujours prêt, déterminé, aller jusqu'au bout. J'ai entendu comme ça ton témoignage parce que c'est pour ça qu'il a voulu que ton mari soit là. Parce qu'il était là au début. Voilà, il faut qu'il soit là pendant que tu rends le témoignage. Ça va? Oui. Tu es vraiment bien. Oui. T'es bien. Viens comme un homme. Continue de la protéger. Je te bénisse. Allez-y. Donc, en fait, moi, je suis née avec... Apparemment, j'étais mariée à un esprit. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir deux maris en France. Donc, ça fait 22 ans que je suis avec mon mari actuel. 12 ans qu'on est mariés. Et je vis avec ça depuis toute petite. On va dire que ça s'est déclenché devant lui. Il devait avoir... 19 ans, et à ce moment-là, si vraiment j'étais pas, si je lui avais pas expliqué un petit peu avant, je pense que j'aurais fini en hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, je comprends que lui, c'est vraiment mon ange gardien. L'homme de ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, il a été très fort pour nous deux parce que. Moi, j'étais pas assez forte et je pense que
je me suis fait attaquer toutes ces années parce que j'étais pas assez fort, pas assez armée. C'est lui qui avait les armes et c'est lui qui me protégeait. Et donc, comment j'ai connu le prophète pour avoir ma délivrance? Mon père m'a appelé un jour et il m'a dit, le 29 septembre, il m'a dit, écoute, regarde, il y a un prophète qui fait des miracles, ça pourrait t'intéresser. Je dis, d'accord, écoute, je regarderai ce week-end, on va voir. Et arrivé le week-end, je me pose avec mon mari. Et là, on commence à regarder la vidéo, une vidéo de délivrance. Et là, je commence à rentrer en transe, en fait. Je rentre en transe. Dès que vous avez regardé la vidéo, voilà. Les esprits sont manifestés. Voilà. Ils sont manifestés. Et donc là, c'était la panique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Et de là, mon père, il a appelé au pays. Et on lui a dit, le prophète est en France. Et quand il me l'a dit, j'ai dit, ben, écoute, essaye de voir. On lui a donné un numéro de portable, il est tombé sur sa femme. Et là, elle lui a donné un rendez-vous. Je suis venue au rendez-vous. Et on va dire que ça a pris 2 semaines. Et j'ai eu ma délivrance la semaine dernière. Et quand vous êtes parti, est-ce que les démons se sont manifestés? Plus rien. Plus rien. Il y a même des vidéos. On veut regarder les vidéos, tu peux maintenant les regarder sans problème. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle était très possédée. Très, très, très possédée. Ce démon était trop terrible. Vous êtes d'origine de quel pays? Vous êtes drôle. Le père est où? Vous pouvez chanter un bébé, non? Dans un Jésus-Saint, il se met les mains. Dans un Jésus-Saint, il se met les mains à bosser. Dans un Jésus-Saint, il se met les mains. Dans un Jésus-Saint. Pour sa fille. C'est que Jésus a fait pour elle. À Jésus, ça va. Si les manières ne soient, si les manières ne soient, si les manières ne soient, si les manières ne soient.
de ma vie, oh Jésus. Sois au devant de ma vie. Seigneur Jésus, sois au devant de ma vie. Seigneur Jésus, devant de ma vie, oh. Sois au devant de ma vie. Sois au devant de ma vie. Vous savez danser? Est-ce que vous aimez danser les autres? Non, moi je pense. Elle dit danse tout. Vraiment tout. Oh mon ayao! Oh mon ayao! Oh mon ayao! Oh,
Michel m'a dit, lui, il en tient. Il ne faut pas venir dans les eaux poussières. Pas venir dans les eaux. Donc, il a fait des bébés, Jean-Louis, ici. Il va venir faire les petits trucs. Il danserait en plus. Alors, là, professeur, hein, vous ne connaissez pas, vous l'appelez Amien Paté. Fait trois heures de cours, c'est fini. Jean-Louis, que Dieu te bénisse. Naïri go go go, go go go, naïri 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 go go go, go go go, naïri go. Et nous allons rentrer dans. Nous allons écouter notre sœur dans deux minutes. C'est sa première fois. Elle est musulmane. Elle ne sait pas. Disons, je tente de lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Quel moment tu as été délivré en quelques minutes. Je m'appelle Salimata. Salimata. Oui, je suis malienne. Je suis musulmane. Bon, quand j'ai vu ces œuvres sur YouTube, bon, je me suis sentie concernée par ces problèmes. Bon, je suis venue. Bon, je sais que ça n'allait pas chez moi dans ma vie. J'étais bloquée parce que je ne pouvais pas aimer un homme. Tu n'as pas aimé? Un homme. Ah bon? Tu as aimé qui?
Parce que j'avais un homme, mais je le vois en rêve. Dans les rêves, oui. Dans les rêves, je vis avec lui. Il me donne que c'est ta maman qui m'a fait, qui m'a donné au mariage. J'ai un enfant avec lui. Donc... Là-bas, ouais. Il va à l'école. On va à l'école. Il a quelle classe avant? Donc après l'université, bon, je me suis dit, il est temps que je me mette avec un homme, mais ce n'était pas par amour. Bon. Ah bon? Oui, je me sens le besoin, mais j'ai fait, mais ce n'était pas dans la veille. Je comprends, moi je te comprends. Donc du coup, on a fait le mariage, j'ai fait des fausses couches. Bon. Combien de fois? 4. Vous avez fait, tu as fait combien d'années de mariage? 12. 12 années. Donc, vraiment, c'était un et les bon fausses couches, ça venait comment? Comme ça, vous voyez ça. Que mes vos problèmes, là, c'est petit, non? Ça, souvent, vous venez, vous avez un problème. Quand vous attendez le problème, les gens disent, comment là, c'est des petit. Des fois, oh. Il me dit la nuit, Sally, tu sais, je t'ai dit que j'aime pas l'odeur de l'urine de l'enfant. Hein. Quand il me dit dans les rêves, la nuit, le lendemain, le lendemain, j'y sais. Et puis c'est fini, la grossesse passe. Et puis c'est fini. Et ça a-t-elle combien de mois? Le plus gros, c'était à 4 mois. 4 mois. C'était des jumeaux à 4 mois. Des jumeaux en plus. Oui. Vous voyez comment les dégâts, comment les esprits font des dégâts dans la vie des gens. Donc quand j'ai vu ces œuvres sur YouTube, bon, je suis venue, il m'a délivré le dimanche passé. Et Jésus-Christ, tu es bien. Jésus, okay. Jésus t'a béni, c'est ça? Oui, est-ce que tu peux l'acclamer? Oui, j'aime bien Jésus. Bon. Non, Jésus t'a béni. Est-ce que tu peux l'acclamer? Non, je n'ai pas dit qu'il faut que Jésus t'a moussé. J'ai dit Jésus t'a délivré. Voilà, donc acclame-le. C'est difficile pour elle parce qu'elle n'est pas habituée, c'est pas son monde. Ouais, je suis en train de l'aider. Nous sommes tous passés par là. Oui, je ne suis pas jeûné parce que je suis dans une église. Bon, j'étais à la recherche. Non, je n'ai pas dit que j'ai jeûné. Moi, je suis passé par là aussi. Voilà, quand on n'est pas trop habitué au milieu chrétien, on a une attitude, tu vois, attitude, ben, Dieu t'a guéri. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Allez, vous asseoir. Naïli Koko, go, le dimanche prochain. Allez, vous asseoir. Naïli Koko, go, Naïli Koko, go, Naïli Koko, go. Parce que dans une église, après les témoignages, il faut écouter la parole et après la parole, la prédication. Et l'action pour vous. Père, que toute la gloire te revienne. Que ma toute petite personne s'efface
ma soeur, tu sois élevée. Dans le nom de Jésus. Ce chant guéri veut dire, parce que j'étais dans les chaînes, les sorciers, parce que j'étais dans la souffrance, dans les problèmes, je ne connaissais même pas Jésus. Si Jésus est venu me retirer, je ne peux pas lui enlever ma main. Je vais tous les jours le suivre. Alléluia. Je vais juste vous exhorter. Amen. Nous allons parler
aujourd'hui de Lazare, que vous connaissez très bien. Connaissez l'histoire de Lazare? Amen. Lazare était quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup. Et Lazare avait deux sœurs, il y avait Marthe et Marie, alléluia. Dans l'une d'entre elles, elle lavait le Seigneur, elle lavait ses pieds avec ses cheveux, alléluia. Amen. Et ce Lazare ne se sentait pas bien, le Seigneur n'était pas là, alléluia. Au moment où tu es malade, il n'y a personne, amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que cette maladie ne va pas t'emmener à la mort, sinon pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. La situation que tu traverses ne va pas t'amener à la destruction, à part que le nom du Seigneur doit être glorifié. Tu peux traverser des épreuves, dire, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais le Seigneur sait pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il est absent, il est présent dans tes épreuves. Il est présent lorsque même tu as à Gethsémané, le papa a dit, alléluia. Mais il est en train de te forger, alléluia. Dans les épreuves, Dieu te forge. Mais en ce moment-là, nous ne comprenons pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est mon enfant qui est comme ça? Pourquoi? Mais tu veux que ce soit l'enfant de qui d'autre? Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que tu peux supporter. Dieu sait qu'il doit faire quelque chose. Dieu sait que son nom doit être glorifié au travers de la situation de ton enfant. Alléluia. Amen. Qu'il soit malade. J'en suis un témoin de la situation. Alléluia. C'est pour que le nom de l'Éternel soit puissamment glorifié. Alors voyez que Lazare était malade jusqu'à un mois sans suite. Tout le monde pleurait. Tu es dans des situations. Il y en a qui pensent que ce n'est même plus la paix. Plus personne n'espère. Toi-même, tu n'espères plus. Tu te dis quelquefois, il y a point de Dieu. Pourquoi je souffre? Alléluia. Nous avons tous accusé le Seigneur dans les moments très douloureux. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, la Bible dit ceci. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Et ses pensées non plus ne sont pas nos pensées. Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. Dieu a frappé la stérilité, Anne. Mais il savait pourquoi. Alléluia. Autant marqué de l'Éternel. Dieu a donné Samuel à Anne. Amen. Alléluia. Lazare étant mort, je ne vais pas rester longtemps parce qu'il y a encore du travail. Alléluia. Lazare étant mort, alors la sœur de Lazare disait, Seigneur, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. C'est parce que tu étais absent. Mais son absence, c'était pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, quand il y a le suspense, on voit la puissance de Dieu. On voit l'onction de Dieu. On voit la présence de Dieu. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Il faut qu'il y ait un suspense. Il faut que ta situation, Jésus-Christ soit absent par moment. Alléluia. Absent mais présent. Alléluia. La Bible dit qu'il est omnipotent. Celui qui peut tout. Omniscient, celui qui sait tout. Omniprésent, il est présent partout à la fois. Amen. Et pendant que tu souffres, et pendant qu'il est absent, Jésus est présent. Amen. Il ne t'a pas oublié. Amen. Il est en train de régler ta situation. Amen. Il est en train de dire, Père, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Il ne voulait pas que le témoignage s'arrête vraiment au plafond. Alléluia. Il voulait que ça réjouisse le cœur de Dieu. Amen. Tellement tu as crié à Dieu. Mais si la situation était tout de suite arrivée, c'était positif, tu n'allais même pas rendre bien ton témoignage. Amen. Mais il fallait qu'il y ait le suspense. Amen. Il fallait qu'il y ait des épreuves. Amen. Il fallait que tu sois à Gethsémané. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lazare était à Gethsémané. Alléluia. Lazare était mort. Mais les gens pleuraient. C'est ça qui disait, mais si Seigneur, tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Mais le Seigneur qui est la résurrection. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui est la résurrection. Amen. La résurrection même absente, elle est présente. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Lazare, c'est celui-là que le Seigneur aimait. Le Seigneur a eu la nouvelle. Il dit non, Lazare n'est pas mort. On va à la mort. Bon. Lazare est glacé comme ça. Il est devenu, je ne sais pas, congelé même.
l'odeur même sort. Il se trouve qu'il n'avait pas une formule. Il sentait. Amen, amen. Amen. Il ne même pas la permis, il veut faire quoi là? Les uns disaient, mais lui, il n'est pas capable de ressusciter ce mort. Et même si la fille de Dieu qui fasse le miracle, tout le monde parlait. Mais tu étais où? Et ce matin, il arrive. On se va l'enterrer. L'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée. J'attends ton bébé depuis longtemps. L'heure du Seigneur n'est pas encore arrivée. J'attends le mari depuis longtemps. L'heure du mariage n'est pas encore arrivée. Jésus a la clé de toute situation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va vraiment pas trop durer. Nous allons prendre dans le livre de Jean. Jean 11. À partir du verset 34. Je ne vais pas vraiment rester longtemps pour laisser la place à papa. Parce qu'on a vu plein de choses et c'est le Saint-Esprit qui dirige. Amen. Jean 11 au verset 34. À partir du verset 34, il dit ceci. Et il dit, le Seigneur s'adresse à la foule, à ceux qui l'ont enterré. Alléluia. Le miracle va se passer. Alléluia. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Depuis là, tu devais arriver, tu n'es pas arrivé. Lazare et moi, tu dis, on l'a mis où? Viens, toi-même, tu vas voir là où on l'a mis. Alléluia. La résurrection va arriver. Jésus a vu Lazare et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Alléluia. Amen. On ne peut rien faire par amour. Tout ce que nous faisons, c'est par amour. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas t'intéresser à sa vie. Jésus est l'exemple typique de l'amour. Alléluia. Amen. C'est cet amour qu'il a donné à notre Père. C'est par amour aujourd'hui qu'il s'occupe des enfants des autres. C'est par amour que nous sommes là aujourd'hui qu'il s'occupe de nous. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est par amour et par obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet œuvre ne mourût point? Voilà les questions que les gens se posent. Quelquefois, on peut dire, mais lui-même, il est prophète. À la situation. Il ne peut pas arranger ça. Alléluia. Amen. Tout ça, le Seigneur entendait. Mais il n'était pas encore l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Amen. Et ses voix non plus ne sont pas les nôtres. Amen. Chaque chose en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 38, Jésus frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placé devant. Jésus dit, c'est sur ça maintenant je vais m'appuyer. Alléluia. Amen. Tu sais, les sorciers sont tellement criblés de balles. Ils t'ont mis dans une boîte, dans un canari. Alléluia. Mais quoi que vivant, tu circules bien. Alléluia. Mais tu en caches quelque part là-bas. Alléluia. Jésus-Christ va bénir maintenant. Il va parler à son serviteur. Notre Père spirituel. Il va te dire ta vie, il va te dire d'où tu es sorti, d'où tu es toi-même. Tu es enfermé dans un canari. Alléluia. Amen. Mais il aurait fallu que ce canari-là soit cassé pour que tu puisses sortir. Alléluia. Tu te maquilles, tu es bien habillé, mais tu es enfermé dans ce canari. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il dit, ôtez la pierre. Il y avait quelque chose dans ta vie. Il y avait un blocage dans ta vie. Il y a une pierre qui était là dans ta vie. Il a fallu que cette pierre soit ôtée. Pourtant, tu as tout pour être marié. Tu es belle. Mais il y a une pierre qui n'est pas encore ôtée. Toi-même, tu ne pouvais pas ôter cette pierre. Mais Jésus va venir parler à son serviteur. Il a mandaté pour lui dire, voilà sa situation. Il faudrait qu'elle soit délivrée. Mais il y a une pierre qui doit être ôtée pour sa délivrance totale. Alléluia. Lazare qu'on croyait mort et qui était vraiment mort, il sentait même la résurrection arrive. Il dit ôtez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit, Seigneur, de quelle pierre on va ôter? Et le monsieur est mort, il sent mauvais. Les asticots même sont sur lui. On va ôter quelle pierre? Alléluia.
Tout-Puissant. Dis que le Seigneur est Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Il est le spécialiste des spécialistes. Il est le plus haut des plus hauts. Il est le plus haut des plus hauts. Même après 7 jours dans le coma, Jésus ressuscite encore. Alléluia. Les stériles en faudra 7 fois. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Car il y a 4 jours, tu es là. Il y a des années que tu vis ta situation. 35 ans comme on a entendu tout à l'heure. Certains 18 ans. Alléluia. D'autres même 25 ans. D'autres 12 ans. Mais en un seul jour, en une seule seconde, Jésus peut arranger ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit seulement que tu crois. Et il suffit seulement que tu obéisses. Que tu ne doutes point dans ton cœur. Alléluia. Amen. Voilà comment l'obéissance doit suivre. Jésus n'est pas venu lui-même ôter la pierre. Alléluia. Mais sur la parole du Seigneur, cette pierre a été ôtée. Ta situation, tu seras délivré. La pierre qui te tenait en captivité, en sorcellerie. Dieu a envoyé son serviteur pour que cette pierre soit ôtée. Il suffit seulement de croire et d'obéir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Acclame encore mon Jésus. Alors, ils ôtèrent donc la pierre sur l'ordre du Seigneur. Quelque chose va se passer. Et Jésus leva les yeux en haut. Pourquoi le Seigneur lève les yeux en haut? Ça ne tenait qu'à lui. Lui, il sait que le miracle va se produire à l'instant, mais dans les minutes qui suivent. Mais la foule qui l'entourait, plein de gens qui doutaient, plein de gens qui l'accusaient. Mais il veut faire quoi maintenant? Il est trop tard, il arrive, on te dit qu'il sent. Et puis on va ôter. Jésus savait ce qu'il allait faire. Même si ta situation est difficile, même si tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, les médecins vont accompagner dans le désespoir. Ils sont champions pour ça. Alléluia. Pourvu que la sœur qui continue de la payer. Que tu sois toujours une proie entre les mains. Si tu guéris automatiquement, il n'y a plus de clients. Alléluia. Mais ils font tout pour te maintenir. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Amen. Ce soir, le Seigneur dira, ôtez sa pierre pour qu'elle soit délivrée. Ôtez sa pierre pour qu'il soit marié. Ôtez sa pierre pour qu'elle soit guérie. Amen. Ce soir, ta pierre sera ôtée au nom de Jésus. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. En toute chose, pour rendre grâce à Dieu. De ce que tu m'as exaucé. Vous voyez, la foi que notre Seigneur Jésus-Christ a, il a déjà été exaucé. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il n'a pas encore commencé. Mais il a appelé la foi à l'existence de ce qui n'existait pas. Alléluia. La résurrection de Lazare. Jésus ressuscite. Il le faisait, il le fait aujourd'hui encore. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Les gens me racontaient, c'est la magie. Le prophète, il fait magie. Mais vous avez vu ici les documents de l'hôpital? Alléluia. Amen. Le conseiller lui-même, il a témoigné. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Amen, amen, amen. C'est pas la magie, c'est du concret. Amen. Papa sait que c'est le Seigneur qui l'a mandaté. Amen. Il sait le don qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que quand Dieu lui parle, quand le Saint-Esprit lui parle, il touche exactement ta situation.
dit cela, il cria d'une voix forte. Lézard, sors! Ceux qui pleuraient, qui disaient, mais qui va sortir? Il est mort, il sent, il va sortir. Ce cadavre-là va sortir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Mais, c'est là le miracle maintenant. Celui qu'on avait enterré, on pensait que c'était fini. Les deux sœurs disaient qu'ils n'avaient plus d'hommes dans leur famille. Le seul frère est mort. Il dit, Lazare, sors! Oh, Jésus, tu as la parole de vie. Amen. Et le mort sortit. Alléluia. Amen. Jésus le fait aujourd'hui encore. Amen. Les pieds, c'est pas fini. Les pieds et les mains liés de bandes. Le visage enveloppé de linge. Jésus le dit encore. Déliez-le. Alléluia. Déliez-le. Si c'est ton père qui t'appelle cette chose, si c'est ta mère, si c'est ta soeur, il faut qu'elle fasse les aveux pour que tu sois totalement délié. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait des aveux, mais ils n'ont pas eu de délivrance. Ils n'ont pas été déliés. La pierre n'a pas été ôtée. Alléluia. Amen. Le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce soir, Dieu va parler au prophète. Amen. 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 Tu seras délié et il te laissera aller. Amen. Et quand tu t'en vas, il faut que tu serves l'Éternel des armées. Amen. Quand tu reviens, rends témoignage. Tout a été guéri. Alléluia. 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 Ta pierre sera montée ce soir. Ta pierre sera montée ce soir. Jésus va dire à son serviteur, ordre la pierre. Pour qu'elle soit guérie. Pour que son fils soit guéri. Pour que son fils soit délivré. Pour qu'il soit livré des chaînes de la mort. Ordre la pierre. Alléluia. Jésus n'est pas lui-même pour le faire. Il te dit à toi, fais-le. Alléluia. Mais il ne dit pas à n'importe qui de le faire. Alléluia. Il dira à papa ce soir, ôte la pierre. Alléluia. Pour que mon ami soit totalement délivré. Amen. Moi je parle de moi, chacun parle de lui. Hein. Amen. Ôte la pierre, mon serviteur, pour qu'elle puisse s'enfanter. Amen. Ôte la pierre, mon serviteur, pour qu'elle puisse avoir le mariage. Amen. Ôte la pierre, mon serviteur, pour qu'elle soit totalement guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus va te délivrer. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer ce soir. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ va te délivrer ce soir. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer ce soir. Sa puissance va te toucher 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 ce soir. Et la manifestation de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la lâcher. Tu vas la libérer. Vous savez, Dieu agit au moment où on pense que c'est fini. La servante de Dieu vient de prêcher un grand message. Vous, on pensait que c'était fini pour Lazare. On dit qu'il sent déjà. Ça dit qu'on ne calcule plus, Jésus, c'est fini. Vous, on pense qu'il ne peut plus rien faire. C'est à ce moment-là que Dieu peut intervenir. Tu vas la libérer. Lâche-la. Je sais que tu traverses un moment difficile. Je vais parler à deux femmes. Je sais que vous traversez des moments difficiles. À point que ton foyer est en train de prendre un coup, vos foyers sont en train de prendre un coup. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur lui dit, tu as pleuré. Tu es en train de pleurer. Et Dieu me dit, il va restaurer ton foyer. Le Seigneur me dit, il restaurera ton foyer. Dieu me dit, il restaurera ton foyer.
Dieu le dit, il restera ton foyer. Dieu le dit, il restera ton foyer. Thank you.
avec qui, la dame? Elle est venue avec qui? D'ici deux semaines, elle allait faire une AVC. D'ici deux semaines, elle allait frapper d'un AVC et l'AVC allait la tuer. Ils allaient avoir une maladie mystique, mais l'AVC, d'ici deux semaines, elle allait faire une crise d'AVC. Voilà, et ça allait l'emporter une semaine après dans le coma et ça allait l'emporter. Et c'est l'esprit de mort qui attend de se manifester. Voilà. Mais Dieu va la délivrer. D'accord. Je libère son âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Par la puissance du Père dans le nom de Jésus. Par la puissance du Père. Thank you.
va partir. Il 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 va Je sais que c'est mon cas. Il a pris sa parole. Il a commandé. Quand elle a pied. Quand elle a pied.
Il faut que le mur tombe. C'est le mur de Jéricho dressé devant toi. Amen. Ce mur qui t'empêche de rentrer dans ton mariage. Amen. Ce mur qui t'empêche d'avoir du travail. Amen. Ce mur qui t'empêche d'avoir l'enfantement. Amen. Ce mur qui t'empêche d'avoir la prospérité. Amen. Il faut que ce mur tombe. Amen. Et tout le monde, nous allons nous donner un rendez-vous dimanche. Amen. Et ce dimanche, ça sera un dimanche spécial. Amen. Vous allez envoyer une bouteille d'eau. Vous envoyez une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau. Et je vais prier, nous allons faire une action prophétique. Ce moment est sérieux. À partir de minuit, quand il sera minuit, vous commencez un moment de prière jusqu'à 3 heures. On n'a que 7 semaines. Pour que celui qui ne veut pas ta réussite, qu'il tombe. Nous déterminons ça comme trop, c'est trop. Il faut que le mur tombe. Il faut que le mur de Jéricho tombe. Il faut que ce mur tombe. Et vous prenez le psaume 35. À partir de minuit, vous prenez le psaume 35, vous priez jusqu'à 3 heures du matin. Amen. Vous commencez à prier. Si vous avez des ennemis, énumérez-les. Parlez d'eux et envoyez-les aux enfers. Amen. Commandez à la puissance de Dieu. Amen. Nous allons prier contre eux. Amen. Nous allons les attaquer dans la prière. Amen. Nous allons les faire reculer. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Nous avons trop laissé la plaisanterie. Nous avons trop laissé l'ennemi parler. Nous avons trop laissé l'ennemi plaisanter.
trop, c'est trop. Nous allons montrer la montagne. Nous allons les convoquer devant le trône de Dieu. Nous allons leur revendiquer notre droit. En tant qu'enfant de Dieu. Il faut que l'ennemi tombe. Amen, papa. J'aime bien ce chant, les amis. Dimanche matin, l'église. Enfin, dimanche, l'après-midi. Oui, à l'église. Oui. Des maladies, celui qui a une maladie incurable, ce jour-là, ce dimanche, Dieu va faire pleuvoir des miracles, Amen. Des pluies de miracles dans cette salle. Il faut gêner. Dès qu'il est minuit, ça dit qu'aujourd'hui, déjà minuit, on ne mange plus. Et à partir de 3 heures du matin, affrontons l'ennemi. Amen. Parce que bientôt, c'est la fin d'année. Cette malédiction ne peut pas nous suivre. Cette situation ne peut pas nous suivre en 2019. Ce n'est pas possible. Il faut que nous nous révoltons dans la prière. Amen. Tant que vous ne révoltez pas dans la prière, Dieu ne pourra pas agir. Amen. Nous allons trop laisser l'ennemi agir, jouer sur nos terrains. Amen. Trop, c'est trop. Nous allons montrer à l'ennemi de quoi notre Dieu est capable. Amen. Nous allons montrer à l'ennemi de quoi notre Dieu est capable. Amen. À partir de 1h du matin, minuit. Commencez à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Revendiquez vos droits. Amen. À commencer à envoyer le feu dans le cas ennemi. Amen. À commencer, si vous les connaissez, énumérez-les dans la prière. Amen. Et attaquez-les dans la prière. Amen. Et que leur pouvoir soit déstabilisé. Amen. Et que leur pouvoir de destruction soit détruit. Amen. Nous allons montrer entre la force mystique et la force de Dieu, Amen. Quelle est la force la plus puissante. Amen. Je suis au centre.
Je suis le
Jérusalem. Thank you.
Maintenant,